Mesdames, Messieurs, Madame la vice-présidente de la métropole de Montpellier, Madame la directrice de Montpellier Management, Mesdames et Messieurs, vice-présidentes et vice-présidents, Monsieur le Président honoraire, doyen honoraire et donc futur docteur de l'université, Messieurs les directeurs, vice-présidents, vice-doyens, chers et chers collègues, chères et chères étudiantes et étudiants, Madame la directrice du pôle de recherche sciences sociales, chers parrains, très heureux donc de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison étudiante de Richter pour une cérémonie qui est assez rare au niveau des universités et qui est assez aussi solennelle parce que ça rentre finalement d'un dispositif qui est assez ancien, qui est la cérémonie de remise des insignes docteur honoris causa d'une université. Alors assez rare, pourquoi? Eh bien parce que les établissements d'enseignement supérieur, les universités, ne peuvent décerner que 4 doctorats honoris causa par an, alors qu'il y a beaucoup de demandes qui résultent des communautés scientifiques, des UFR, des écoles. Et donc, au niveau de l'université, eh bien, nous limitons ces candidatures et la délivrance donc de ces titres à des collègues avec qui soit des facultés, donc ici un institut, soit sur recherche ont entretenu un partenariat ancien et noué de réelles relations, ce qui est, chers collègues, votre cas. Et puis, c'est un dispositif ancien, parce que si les doctorats honoris causa sont attribués que depuis 1918, sont réglés que depuis 1918 par un texte réglementaire, un décret en France, pour autant, eh bien, cela remonte à une tradition beaucoup plus ancienne, qui remonte au XVIIe siècle, et dès le début, eh bien, à travers cette reconnaissance, eh bien, c'était donc de valoriser des collègues pour service rendu aux arts, aux sciences, service rendu à la nation, service rendu à l'établissement dans lequel il y avait la délivrance de ce titre. Alors aujourd'hui, la notion de service rendu est plutôt celle donc de partenariat, mais pour nous, c'est un élément important parce que cela met à l'honneur un collègue ou une collègue, aujourd'hui un collègue avec qui eh bien, il y a des relations anciennes, des relations qui sont nouées, des échanges donc constants. Et puis également important parce que c'est un des éléments de notre politique internationale. Et je salue l'ensemble des collègues donc, de la DRI qui sont présents ici. Un élément de la politique internationale parce que les docteurs honoris causa deviennent de fait des ambassadeurs de l'Université de Montpellier. Donc, ils ne peuvent dire que du bien de l'Université de Montpellier, comme tout bon ambassadeur. Mais plus encore, eh bien, cela montre notre présence au-delà donc, eh bien, de notre territoire, de notre zone d'influence quotidienne. Or, l'Université de Montpellier, eh bien, c'est une université qui a des relations à l'international, qui est visible à l'international. 18% de nos étudiants sont des étudiants internationaux. Plus encore, avec nos 16 UFR, écoles et instituts, puisqu'aujourd'hui, c'est plus le côté formation qui est mis en avant. Donc, doctorat, c'est des fois le côté recherche, des structures de recherche qu'ils proposent. Eh bien, cela montre aussi la question des diplômes, la question aussi des échanges d'enseignants ou d'étudiants, d'immobilité étudiante, qui est à valoriser. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, quand on regarde eh bien, les priorités, tant au niveau central que les priorités des différentes composantes, les instituts en particulier, eh bien, cela montre qu'il y a un maillage donc international qui est relativement conséquent. Donc, ambassadeur de l'Université de Montpellier, comme eh bien, les étudiants internationaux aussi le sont. Et puis, il y a la personnalité. La personnalité qui est honorée, qui doit avoir des éléments de singularité. Alors, quels sont ces éléments de singularité, cher professeur? Ils sont, je dirais, relativement nombreux. C'est le second micro, mais en fait, j'avais le mien qui était déjà accroché. Ils sont relativement nombreux. Oui, j'ai un problème de hanche, donc je ne vais pas me... Relativement nombreux, et on pourrait dire qu'on vous honore aujourd'hui pour eh bien, votre positionnement, votre implication, puisque vous intervenez dans la sphère donc, de la gestion, de l'économie financière. C'est un élément. Ça, c'est l'élément académique, et vous avez aujourd'hui deux parrains. D'habitude, il n'y en a qu'un parrain. J'ai dû canaliser parce qu'il voulait être quatre à parler de vous.
quand même peu pitié pour l'assistance, hein, puisque nous sommes 11h et en principe on mange vers midi. Donc j'ai dit, on va se limiter à deux parrains, donc excuse-moi Irène, excuse-moi Alexandre, mais deux parrains qui vont évoquer votre carrière scientifique, tant en matière de formation que de recherche. Mais il y a d'autres éléments de singularité. Eh bien, vous avez été recteur, donc président d'université. Président d'université, vous avez également été doyen de la Barcelona School of Management, de l'université que vous avez présidée, l'université Pompeu Fabra. Et donc, c'est également deux éléments de singularité. Ça met en avant votre implication donc, dans les responsabilités et fonctions collectives, votre implication donc, pour le bien commun et l'administration de nos structures. Et pour moi, je dois me méfier parce que, vous voyez, un directeur d'institut qui devient président d'université, je ne sais pas, que peut-être c'est quelque chose auquel réfléchit la directrice actuelle de MoMA, donc je vais être un peu vigilant. Alors, plus sérieusement, également, vous avez travaillé sur de nombreux domaines. Vous avez été doyen des économistes de Catalogne, cofondateur et vice-président de l'Association catalane des comptables, et vous êtes reconnu, sans trop développer le discours que fera un de vos parrains tout à l'heure, eh bien, vous êtes reconnu pour l'ensemble de vos recherches dans le domaine du contrôle de gestion, de la comptabilité financière et de la gouvernance d'entreprise. Et quand je vois vos domaines, eh bien, je comprends que certains peuvent être frustrés de ne pas parler, mais Gérald sera votre porte-voix. Vos principaux axes de recherche sont sur les domaines de la détection des fraudes comptables et des facteurs clés de succès des entreprises. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer en détail parce que moi, je suis plutôt sur la fraude fiscale, mais même si ce n'est pas des fois très très loin. Et puis, vous avez également exercé de nombreuses fonctions électives. Certes, les systèmes d'enseignement supérieur espagnol, vous avez participé également de manière très active au transfert des connaissances en direction du monde de l'entreprise et des autorités publiques catalanes. Et ça, c'est important aussi parce que c'est une omission souvent méconnue. C'est qu'on n'est pas juste pour diffuser les connaissances dans nos murs, mais il faut également irriguer à l'extérieur, irriguer vers les décideurs publics et privés. Et donc, vous avez pris part donc largement à cela. Enfin, je crois que vous avez contribué aussi à une réforme du régime des retraites, je crois, en Espagne, vous permettant donc de rester en fonction, je crois, en Espagne jusqu'à 75 ans, me semble-t-il. Mais ça, voilà. Donc, pour nous qui devrons partir à 70, il y a encore espoir. Il y a encore espoir qu'à travers deux ou trois réformes, nous puissions faire comme vous et rester jusqu'à 75 ans. Je plains quand même les étudiants. Si tout le monde est à 75 ans et vert comme nous ici, ça va. Mais peut-être que certains, vous les aurez dans un âge avancé. En tout cas, finalement, il y a aussi des éléments de l'autre côté des Pyrénées qui sont les mêmes qu'en France. Et la contribution des universitaires au débat public, au choix politique, eh bien, est un élément majeur qui justifie également que nous vous honorions aujourd'hui. Voilà, chers collègues, voilà, cher professeur Amat, donc les éléments que je pouvais dire sur vous, parce qu'il n'est pas de tradition que le président d'université dévoile votre parcours, dévoile donc les tenants, les aboutissants de vos choix de carrière, de votre perspective, votre trajectoire pédagogique ou scientifique, il y a les parrains pour cela. Mais il y avait quand même, dans des éléments que j'ai juste évoqués, quelques singularités et quelques éléments que je devais dire dès le début, justifiant que vous ayez été retenu, choisi, aujourd'hui honoré, pour la remise des insignes docteur honoris causa de l'université. Donc, dans quelques minutes, vous allez être un des nôtres, un des docteurs de l'université, et nous vous reconnaissons finalement parmi nous, et nous vous remercions surtout d'avoir accepté cette reconnaissance de notre institution. Merci beaucoup. Madame la directrice. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Madame la vice-présidente de la métropole et de la mairie de Montpellier. Monsieur le vice-président de l'Université de Montpellier, monsieur le professeur Auriol Amat, monsieur le vice-recteur de l'Université de Pompeu Fabra, monsieur le directeur général de la Generalitat de Catalogne, monsieur le représentant de la Barcelona School of Management, chers parrains, Bernard et Gérald, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames, messieurs, j'ai grand plaisir à participer ce jour
à une cérémonie de remise de titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Vous accueillir aujourd'hui à Montpellier Management et à la Maison des étudiants nous honore et nous réjouit. Ce titre de docteur honoris causa qui vous est décerné, cher Auriol Amat, contribue au rayonnement de Montpellier Management, qui a à la fois des racines très ancrées dans son écosystème local, mais également l'esprit tourné vers l'international. C'est une carrière universitaire exemplaire que nous honorons aujourd'hui, tant du point de vue de la recherche que de l'enseignement, mais aussi dans le choix de responsabilités collectives. C'est la raison pour laquelle Montpellier Management a soutenu les parrains dans leur souhait de vous honorer. Le professeur Amat et Montpellier Management, c'est une longue histoire. Depuis de nombreuses années, Auriol Amat enseigne ou a enseigné dans 4 parcours de Montpellier Management. La licence comptabilité finance, le master contrôle de gestion et système d'information décisionnel, le master audit et contrôle interne, le master international strategic management, accounting and auditing. Ce master ISMA est à la fois porté par l'Institut Montpellier Management de l'Université de Montpellier et la Barcelona School of Management de l'Université Pompeu Fabra. C'est une vraie richesse pour nos étudiants respectifs, tant du point de vue de l'expérience académique partagée que de l'expérience culturelle. Autre particularité de ce diplôme, il est ouvert à l'apprentissage. À Montpellier Management, nous développons non seulement l'apprentissage dans nos formations initiales, sur site à Montpellier, mais également dans des formations cohabilitées avec des universités étrangères, mais également encore dans des formations en e-learning. Près de 1000 apprentis sont inscrits à Montpellier Management chaque année. C'est un socle de différenciation très intéressant pour Montpellier Management et en l'espèce, une vraie richesse de collaboration avec Barcelone. Outre son implication dans nos formations, le professeur Auriol Amat collabore également avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs de Montpellier Management et du laboratoire MRM. Auriol Amat est reconnu pour l'ensemble de ses recherches dans le domaine du contrôle de gestion, de la comptabilité financière et de la gouvernance d'entreprise, comme le disait notre président. Ses principaux programmes de recherche sont aujourd'hui focalisés sur la transition écologique et la nouvelle gouvernance publique sur les territoires d'Occitanie et de Catalogne. Ses collaborations avec les enseignants-chercheurs de MoMA ont permis la publication dans des revues internationales de premier plan. Une collaboration exemplaire pour nos deux écoles, et un titre de honoris causa qui nous honore, cher professeur Auriol Amat, et je suis très heureuse que Montpellier Management en soit l'origine. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente de Métropole Montpellier Métropole Méditerranée, chère Claire, Madame la directrice de l'Institut Montpellier Management, chère Sylvie, Monsieur le président de l'université, cher Philippe, cher Auriol, Messieurs les vice-présidents de l'université, Monsieur le vice-président, vice-recteur de l'université de Pompeu Fabra, Monsieur le représentant de la Barcelona School of Management, chers collègues, chers et chères collègues, Mesdames, Messieurs. Alors, pour ne pas oublier personne, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est pour moi un très grand honneur et un privilège d'avoir co-parrainé la candidature du professeur Auriol Amat pour l'obtention du grade de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Alors, effectivement, cela a été mentionné par le président, c'est vrai que ce parrainage, c'est un co-parrainage et il convient d'y associer mes collègues et amis, le professeur Irène Georgescu, le premier vice-président de l'université Alexandre Vernet, Gérald, professeur Gérald Narot, qui va partager ce jour votre éloge. En préambule, je voudrais ressouligner et insister, même si cela a été déjà évoqué par notre directrice, professeur Sylvie Samut, la longue collaboration que vous avez avec l'Université de Montpellier et particulièrement avec l'Institut Montpellier Management, tant sur le plan de l'enseignement, cela a été évoqué, mais aussi celui de la recherche, et surtout aussi la co-construction
la co-construction d'un programme favorisant la mobilité internationale en alternance. Je pense qu'au niveau national, en France, il y en a très peu. Nous sommes parmi un ou deux ou trois exemples. Le Master International Strategic Management Accounting and Auditing, qui est créé donc avec un partenariat avec la Barcelona School of Management de l'Université de Pompeu Fabra. Et cette co-construction, l'existence de ce master, ISMA, eh bien, n'aurait pas vu le jour, cher Auriol, sans, je dirais, votre appui, votre soutien. Merci. Auriol Amat est un économiste qui a commencé sa carrière universitaire en 1980 et qui a grandement contribué au domaine de la comptabilité, de la finance et de la gestion en Espagne, plus particulièrement donc à l'Université Pompeu Fabra. Son parcours académique et professionnel est impressionnant, cela a été dit, et il mérite amplement des éloges pour ses réalisations exceptionnelles et toute notre admiration et notre reconnaissance. Au cours de ses années de carrière, le professeur Auriol Amat s'est efforcé d'équilibrer les cinq dimensions d'un poste de professeur d'université, à savoir la contribution à la recherche, dont je laisserai le soin au professeur Gérald Narot d'évoquer les travaux et l'impact sur la communauté scientifique et académique. Ensuite, une deuxième dimension, l'enseignement et les transferts de connaissances. Ensuite, l'engagement dans la pratique professionnelle et le leadership ensuite académique. Et enfin, pour finir, le mentorat et l'inspiration. La première dimension que je vais aborder, l'enseignement et les transferts de connaissances. Auriol Amat a consacré sa vie à l'enseignement, aidant ainsi à former de nombreuses générations de professionnels dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Il est un des experts reconnus sur le thème de la fraude à l'entreprise. Sa passion pour la transmission du savoir et son engagement envers les étudiants sont manifestes dans son approche pédagogique exceptionnelle. Dans un souci permanent de vulgarisation, il a la capacité rare de rendre des sujets complexes accessibles à tous. Et pour ce faire, il a écrit de nombreux ouvrages pédagogiques, ouvrages d'études de cas par exemple, et aussi il collabore régulièrement à des journaux tels que l'Expansion, l'Économique et Uvia Empresa, je ne sais si j'ai l'accent, ainsi que dans les revues professionnelles telles que Technica Contable Financiera et la Harvard Doesto Business Review. Si je me permets de faire un clin d'œil à notre territoire rugbystique et au championnat de rugby, championnat du monde actuel, Auriol Amat est un passeur, non pas de ballon, mais je ne sais, mais un passeur de savoir. Un passeur de savoir sur le terrain de la connaissance, sur celui des valeurs et de l'éthique. Par ailleurs, Auriol Amat a occupé des fonctions au sein d'organismes liés à l'évaluation de la qualité des enseignements et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'enseignement. Et pour terminer cette première dimension, le professeur Auriol Amat est invité par de nombreuses universités étrangères où il dispense des enseignements, d'une part, et développe des programmes de recherche, d'autre part. La deuxième dimension que je souhaite évoquer, c'est l'engagement dans la pratique professionnelle. En plus de son travail académique, Auriol Amat a été impliqué dans le monde professionnel en tant que consultant et conseiller. Il est et a été engagé dans de nombreuses institutions et associations professionnelles, parmi lesquelles, je n'en citerai qu'un bref aperçu, le registre espagnol des experts comptables, dont il a été président fondateur, directeur de la Commission nationale des marchés des valeurs mobilières, membre du conseil consultatif de la Chambre de commerce de Barcelone, membre du comité de gestion de l'Association espagnole des comptables d'administration, membre du conseil du superviseur de la Bourse espagnole, membre du comité de travail Catalogne 2022, qui conçoit la stratégie post-Covid. Et donc la liste, comme Monsieur le Président vous l'avez souligné, est longue. Cette expérience pratique et sa participation aux institutions et associations professionnelles lui permettent de relier efficacement le monde des affaires et la théorie, ce qui en fait un expert reconnu dans son domaine. Dans la société civile, Auriol Amat a été député de la Generalitat de Catalogne et membre du Conseil consultatif pour la réactivation et la croissance de la Catalogne. La troisième dimension, le leadership académique, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, chère Sylvie. Auriol Amat a également occupé de nombreux postes
de direction au sein de l'Université de Pompeu Fabra, dont le plus éminent, celui de recteur de l'université, mais aussi celui de doyen de la Barcelona School of Management, et aujourd'hui les vice-présidents aussi de la Zara Vives d'Universitat, une alliance de 21 universités catalanes. La dernière dimension, l'avant-dernière, puisque Gérald abordera la contribution à la recherche, le mentorat et l'inspiration. Oriol Amat inspire et a inspiré de nombreux étudiants et collègues par son dévouement à l'enseignement, sa passion pour la recherche et son intégrité professionnelle. Donc je laisserai dans un instant le professeur Narro évoquer cette passion pour la recherche et sa contribution. Son mentorat est précieux pour de nombreuses personnes qui ont bénéficié de ses précieux conseils et de son soutien. Ainsi, au travers de ces quatre dimensions, Oriol Amat incarne les valeurs d'excellence académique, de dévouement à l'éducation et de service à la communauté universitaire, au monde professionnel et à la société civile, faisant de lui une personnalité admirable et digne d'éloge au sein de notre université et au-delà. Je passe maintenant le relais, non pas le ballon, à mon ami Gérald, afin d'évoquer la recherche et ses travaux, travaux de recherche reconnus et respectés au niveau international. Merci, cher Bernard. C'est avec grand plaisir que je prends le ballon. Je dois dire que c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'admiration. Je suis extrêmement honoré aujourd'hui de faire votre éloge, cher Oriol. Notre métier d'universitaire nous offre parfois l'opportunité de très belles rencontres. C'est grâce à ma collègue Fabienne Villesec que j'ai eu le privilège de faire la connaissance du professeur Oriol Amat. Il y a plus d'une dizaine d'années, c'était dans un congrès que nous organisions à Montpellier, congrès international. Oriol présentait alors une communication sur le thème des facteurs d'adoption des systèmes de contrôle de gestion sociétaux en Espagne, avec deux collègues de notre laboratoire. Nous sommes des professeurs de comptabilité et de contrôle de gestion, cher Oriol. Je ne vais donc pas me départir de cette tendance naturelle, sorte de déformation professionnelle, qui nous porte toujours à la quantification. Je ne peux pas m'empêcher d'être admiratif devant le volume et la richesse de vos publications, qui se traduisent par un H-index à faire pâlir d'envie nombre de nos collègues, parmi les plus publiants, des publications dans des revues prestigieuses, Journal of Business Ethics, European Accounting Review, European Business Review, pour ne citer que ces revues. Il faut ajouter, bien entendu, des revues hispaniques de premier plan. Une quarantaine d'ouvrages publiés dans plusieurs langues, parfois en collaboration avec des collègues anglo-saxons, l'encadrement d'une quinzaine de thèses, et à côté de cela, un engagement, comme l'a dit Bernard Roger, un engagement institutionnel intense dans des instances nationales et internationales d'évaluation de la recherche, dans des comités éditoriaux de revues ou encore des comités scientifiques de congrès internationaux de premier plan. Mais ce qui me paraît particulièrement remarquable et exemplaire dans votre parcours extrêmement riche, c'est que vos activités de recherche sont en prise directe avec des enjeux sociétaux majeurs au service du grand public, des acteurs du monde sociopolitique, économique, professionnel ou culturel. Je vais y revenir. Les recherches conduites par le professeur Oriol Amat sont extrêmement porteuses de sens et constituent ce que l'on a coutume aujourd'hui d'appeler des recherches à impact. C'est là-dessus que je voudrais insister. J'ai toujours pensé que les thématiques sur lesquelles publient les chercheurs nous disent beaucoup sur ce qui les anime et en cela sont révélatrices de leur personnalité profonde. Qui connaît Oriol Amat ne s'étonnera en rien que ce professeur de comptabilité ait fait de la question de l'éthique, de la responsabilité sociale, de la soutenabilité ses thèmes de prédilection. Depuis sa thèse de doctorat en économie sur les facteurs clés de succès des coopératives, soutenue en 1990, Oriol Amat n'a cessé d'interroger et d'explorer
les dimensions éthiques et sociétales de la comptabilité. Et ce faisant, finalement, l'éthique et la responsabilité sociale de l'enseignant-chercheur en sciences comptables. En témoignent ses travaux sur la fraude, et notamment sur la sincérité, qui est un principe comptable fondamental, sans lequel il ne pourrait y avoir de reporting. Étudiant les pratiques de manipulation comptable, sujet que ne renierait pas notre collègue le professeur Irène Georgescu, il montre que la comptabilité, loin de se réduire à une technique de quantification et d'enregistrement, revêt aussi et peut-être surtout une dimension comportementale. Plusieurs de ses publications vont alors insister sur le concept de comptabilité créative. Eh oui, la comptabilité est créative. En témoigne son ouvrage traduit en plusieurs langues, au titre à la fois évocateur et quelque peu énigmatique, Las empresas que mienten, les entreprises qui mentent. Est-ce Dieu possible que les entreprises mentent? Quand le PDG d'une grande multinationale, il y a quelques jours, a dit à un éminent chercheur, parmi nos plus grands scientifiques, qu'il était du côté de la réalité. Non. Et pourtant, ce livre très intéressant nous montre finalement comment les entreprises maquillent les comptes, comment détecter à temps ce phénomène. Les affaires Maxwell ou Enron, les problématiques de management des impressions ou de greenwashing, par exemple, dans le reporting extra-financier des entreprises, par exemple, sont là pour nous rappeler à quel point ces questions sont importantes. C'est donc tout naturellement que les travaux du professeur Amat s'orientent désormais vers les problématiques de la comptabilité et du contrôle de gestion dans une perspective de soutenabilité. Sans doute, cela devrait nous réunir et renforcer notre collaboration. Je pense tout particulièrement à vos travaux sur les Sustainability Balance Scorecard, instrument que vous aviez d'ailleurs développé pour la Barcelona School of Management, qu'on pourrait peut-être, chère Sylvie, développer dans notre institut Montpellier Management. Ainsi, nous pourrions, avec Bernard, Alexandre et Irène, comparer nos expériences. Mais plus fondamentalement, les travaux d'Oriol Amat révèlent toute la richesse des sciences comptables, qui réunissent la comptabilité, le contrôle et l'audit, selon l'acronyme de notre revue académique francophone, CCA, ou de notre master, CCA, comptabilité, contrôle, audit. Il nous montre que la comptabilité ne saurait se réduire à une technologie neutre, décontextualisée, apolitique. Bien plutôt, elle est ancrée dans la société dont elle constitue à la fois le reflet et le média des valeurs dominantes. Comme l'ont montré plusieurs auteurs, comme Burchell, Anthony ou encore McIntosh, par exemple, la comptabilité est à la fois programmatique et performative. Elle est programmatique en cela que, sous une neutralité qui n'est qu'apparente, finalement, elle transporte les valeurs dominantes et l'idéologie d'une société à un moment donné de son histoire. Elle est performative car en participant à la création et la diffusion d'une réalité, elle participe à la production du monde. En communiquant la réalité, on construit la réalité. Écrivait Russ Heinz dans notre revue, dans cette belle revue qui est Accounting Organization and Society. Dans les années 1990, durant la montée en puissance de la financiarisation de l'économie, les normes comptables internationales privilégiant la substance sur la forme, l'économie sur le droit, ont constitué le fer de lance d'une idéologie néolibérale. Aujourd'hui, des normes de reporting international se proposent d'encadrer un reporting extra-financier, ou ESG, environnement social et gouvernance. Et l'on voit bien dans les controverses autour du concept de simple ou double matérialité qui oppose normalisateur américain et normalisateur européen, que ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. La comptabilité témoigne donc des visions du monde. À l'heure où se pose avec acuité la nécessité d'agir pour préserver nos conditions d'existence, pauvres humains que nous sommes sur une planète à qui nous avons fait subir tant de dommages irréversibles, vos travaux sur la comptabilité envisagés dans une perspective de soutenabilité, cher Auriol, se révèle donc d'un intérêt particulier.
Si l'on veut changer le monde, sans doute nous faut-il changer notre façon de compter. Le problème étant de compter ce qui compte vraiment. Pas seulement le capital financier, mais aussi le capital humain et le capital naturel. Cela étonne toujours mes étudiants, qui sont présents aujourd'hui, mais je pense sincèrement que pour sauver la planète, on ne peut passer que par une révolution comptable. Pour les quelques années qui nous sont offertes, pour travailler ensemble, cher Auriol, car nous sommes de la même génération, s'ouvrent à nous des perspectives de collaboration autour de sujets de recherche extrêmement riches. C'est donc un grand plaisir pour moi de faire votre éloge. I contribuïu amb la vostra aportació a l'esplendor i honra de les lletres, les ciències, les arts i les tècniques, l'estudi i foment de les quals ens han estat confiades. Alors, chers collègues, formellement, donc, je vais vous remettre votre diplôme de docteur honoris causa de l'université, après la délibération du conseil d'administration qui vous accorde donc ce titre. Et donc, ça y est, vous êtes désormais des nôtres et un ambassadeur de l'Université de Montpellier. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Approchez-vous. Merci. Alors, il y a des petits cadeaux. Vous avez appris le discours, la médaille, c'est plus facile parce que quand il faut pas. Je pense qu'il y a un petit intermède musical, me semble-t-il. Et puis, vous aurez la parole pour le temps que vous souhaitez, puisque vous avez eu deux discours dont vous pouvez largement parler. Thank you.
président de l'Université de Montpellier, M. Philippe Auger, vice-président en charge des relations internationales, M. François Pierrot, directrice de Montpellier Management, Mme Sylvie Samout, et vice-président du conseil d'administration, professeur Alexandre Bernet, vice-président de la composante, et professeur du moment, Bernard Auger, Gérald Narot, Irénée Georgescu. Une salutation aussi pour les autorités amies qui ont venu de la Catalogne, les représentants de ma alma mater, l'Université Pompeu Fabra, le professeur Sergi Torné, les représentants de l'UPF, Barcelona School of Management, le professeur Puig, directeur de la Xarxa Vives d'Université, directeur de la Maison de Gouvernement de Catalogne à Perpignan, M. Quera, professeur Fabien Vilsec de Perpignan, professeur de l'Université de Montpellier, chers profs, chers étudiants, distingués invités, amis, épouses, fils, Hilary Parker aussi, bon ami. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour votre amitié et pour ces merveilleux sons de violoncelle. Avant de commencer, je demande votre compréhension pour la qualité de mon français. C'est une langue comme la France que j'ai toujours admirée. Et en effet, il y a quelques mois, j'ai eu une grande joie lorsque ma fille Mireille, qui est présente ici aujourd'hui, elle a obtenu la double nationalité espagnole et française après avoir vécu et travaillé en France pendant quelques années. Je vous remercie aussi parce que le doctorat honoris causa, c'est une reconnaissance. Pour moi, c'est un immense honneur, mais je comprends que c'est une reconnaissance que je n'ai pas méritée. Je suis très heureux parce que plus que moi, c'est une reconnaissance de l'Université Pompeu Fabra et de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ces années-là. C'est aussi une reconnaissance du MoMA et du groupe d'audit, comptabilité, contrôle et finances. C'est un grand honneur pour beaucoup de raisons, entre lesquelles je vais souligner que l'Université de Montpellier est une des universités les plus anciennes et plus prestigieuses de l'Europe. Et aussi parce que l'Université de Montpellier et l'Université Pompeu Fabra mènent plusieurs activités et programmes communs depuis des années. Et je vais aussi me souvenir avec beaucoup d'affection des expériences vécues au moment dans les masters, dans les rencontres avec les collègues du laboratoire de l'Université de Montpellier. Je vais faire une présentation de peu après 20 minutes. Et dans cette présentation, je parlerai de la comptabilité, le passé, présent et futur. Je vous propose trois objectifs pour cette présentation. Le premier, identifier les principaux faits historiques qui expliquent ce qu'il y a aujourd'hui la comptabilité et les contrôles. Second, comprendre l'évolution du profil humain et technique des personnes qui sont professionnelles de la comptabilité et du contrôle. Et troisième, faire une prévision de ce que l'avenir réserve aux professionnels de la comptabilité et du contrôle. Mais vous devez penser que les économistes ne sont pas bons en faisant prévision de l'avenir. Quelquefois, nous pouvons expliquer ce qui a passé, mais pour l'avenir, ça c'est plus difficile. On commence il y a 300 000 années. Et les humains modernes ont commencé à évoluer. Et de 300 000 années jusqu'à 12 000 années, au terrain de la comptabilité n'a passé rien. Mais il y a 12 000 années, il a passé une chose, c'est que les humains ont commencé à faire l'activité agricole. Et pour ça, ils ont commencé à compter. Parce que comptabilité veut dire, les comptables veut dire compter. On a commencé à compter avec les doigts. Et pour exemple, il y a une organisation, un groupe de personnes, aujourd'hui à l'Australie, les noms sont les Walpiri. Si vous tapez à YouTube,
et vous écrivez Walpiri, c'est ce type de personne qui existe aujourd'hui. Il compte avec trois chiffres. Un, deux, plusieurs. Dans les premières vidéos que vous voyez là, dans les YouTube, il y a une journaliste qui demande à une personne de ce groupe humain combien de femmes tu as. Une. Combien de filles? Il dit plusieurs. Et le journaliste, ah, c'est bien, mais combien? Plusieurs. Et pendant une minute, la réponse est plusieurs. Et ça a passé il y a 12 000 années, mais ce groupe de personnes, aujourd'hui, continue comptant de cette manière. Mais, à continuation, il y avait autre groupe humain qui comptait avec les deux mains jusqu'à 10. Ça veut dire qu'on a commencé à compter. Mais pour avoir comptabilité, on doit registrer. Ça, c'est la seconde activité nécessaire pour avoir comptabilité. Le registre a commencé à l'ancienne Mésopotamie, il y a 5000 années. On a commencé à registrer dans l'argile, comme vous voyez là. Et aussi, à Égypte, on a paru les premiers comptables. La première information qu'on a sur un comptable, vous pouvez, il se semble un peu à professeur Alexandre Bernet, peu après. C'est le premier comptable qu'on a à l'Égypte. Et on continue avec l'histoire. Et c'est dans le 9e siècle. Une chose, c'est compter, la seconde, c'est registrer, mais on a besoin des chiffres. Les chiffres ont été découverts dans le siècle 9e siècle. L'algorithme, il a inventé les numéros que nous utilisons aujourd'hui. Et ces numéros nous permettent de faire beaucoup de choses. Par exemple, si vous parlez de l'année 1973, si vous essayez de dire les mêmes avec les numéros romains, ça c'est plus difficile. Ou si vous essayez de multiplier 17 par 68 avec les numéros romains, ça c'est très difficile. Pourtant, c'est l'algorithme qui a inventé les numéros que nous utilisons aujourd'hui. On a besoin de compter, registrer les numéros, mais on a besoin d'une méthode. Et la méthode a été inventée à l'Italie. Mais avant de parler de l'Italie, ça c'est dans le 15e siècle, je parlerai un peu sur la personnalité du comptable. Et pour ça, nous pouvons utiliser la règle de Saint-Benoît, 6e siècle à l'Italie. Il explique comment les celeriers. Les celeriers, c'est l'administrateur, le contrôleur d'un monastère. Il explique comment on peut choisir l'administrateur du monastère. Cette instruction est utilisée aujourd'hui, maintenant, dans tous les monastères bénédictines du monde. On choisira pour administrateur du monastère quelqu'un qui soit sage, sobre, qui mange peu, qui ne soit ni altère, ni turbulent, ni paresseux, qui ait soin de tout, qui ne fait rien sans l'ordre de l'abbé, qui observe les choses qui lui sont commandées, humble, honnête, que si celui qui demande une chose injuste connaisse qu'il la lui refuse avec raison, qu'il ne soit ni avare, ni prodigue, surtout, vous pouvez voir ici, à notre fois, professeur Alexandre Bernet, ça c'est les profils, surtout qu'il donne des marques de son humilité et quand il ne peut pas accorder ce qu'on lui demande, qu'il ait au moins dans la bouche des paroles qui contentent. Parce qu'il écrit une parole douce et plus agréable qu'un grand présent. Ça a été écrit dans le 6e siècle, mais ça est applicable aujourd'hui. Qu'il ne se mêle précisément que de ce qu'il avait lui a commis et qu'il ne s'ingère point de ce qu'il lui aura défendu. Bien, nous arrivons à l'année 1494. Pardon. Oui. Ici, nous avons les livres de Luca Pacioli. Et dans ces livres, on a expliqué la méthode. Et aussi, on peut parler un peu plus des profils du comptable. Vous pouvez voir dans cette peinture les compétences qu'on voit dans la peinture. Les comptables, et on a les propriétaires de la compagnie, et avec une face un peu spéciale, les propriétaires. Et les compétences des comptables, l'ordre, les soucis de détail, honnête,
personne de confiance, discrétion, humilité, empathie. Vous pouvez voir ici le prof Bernard Auger, par exemple, avec toute cette qualité humaine, mais aussi qualité technique, calligraphie, mathématiques, géométrie. Mais le propriétaire qui a payé cette peinture, il n'était pas content avec cette peinture, il l'a changée. Il a demandé à l'auteur de changer la peinture, et vous pouvez voir la face du propriétaire maintenant, c'est différent. À gauche, vous pouvez voir une personne qui est mauvaise, mais à droite, le propriétaire, c'est une personne qui est très bonne personne. Et on continue avec l'histoire de la comptabilité. On arrive à 1622. Il y avait un scandale très important à la compagnie hollandaise de les Indies orientales. Et de ce moment-là, on a commencé à réguler la réglementation de la gouvernance des compagnies, l'audit volontaire. Ça, c'est un événement très important. On arrive à la première révolution industrielle et avec la machine de vapeur, les compagnies ont commencé à calculer les coûts directs. Et on arrive à la seconde révolution industrielle, la production en chaîne, on améliore les coûts. Ici, c'est important de faire noter que je pense que la France a fait beaucoup de contributions dans le monde de la comptabilité mondiale. Une des contributions, c'est la méthode de comptabilité par section, réflexe homogène, qui ont été appliquées dans tout le monde et ils s'appliquent aujourd'hui à tout le monde et c'est une invention française. On arrive à l'année quand on crée la première organisation des comptables et une information intéressante. Pendant 30 années, la femme, on n'était pas admise dans cette organisation. Vous pouvez voir les présidents, les premiers présidents de cette organisation, tous sont hommes, des compagnies très importantes. Mais vous pouvez voir aussi, par exemple, à l'officine de New York de Pricewaterhouse en 1910, tous sont hommes. Et on continue. Et dans la grande crise du 29, ça a amélioré beaucoup, cette crise a amélioré beaucoup la diffusion externe de l'information comptable. Et ici, je pense que c'est la seconde grande contribution, à mon avis, de la France à la comptabilité et contrôle mondial, c'est la réglementation de la figure d'expert comptable. Et vous connaissez que beaucoup de pays ont suivi votre réglementation. Et aussi à l'Espagne, on a commencé il y a 10 ans avec la même figure de l'expert comptable. Avec la récupération économique, on commence les budgets, les écarts et les tableaux de bord. Je pense que c'est, à mon avis, la troisième grande contribution française à les contrôles au niveau mondial, les tableaux de bord. C'est un concept qu'on utilise les noms en français dans beaucoup de pays, avec les noms en français. On arrive à la machine, vous pouvez voir ici la machine comptable, parce que quand on peut compter, on peut enregistrer, on a les chiffres, on a la méthode, on a besoin de la technologie. Et on commence à avoir de la technologie. Et aussi, la comptabilité, c'est une profession qui génère beaucoup d'humeur. Par exemple, Herbert Herbert, écrivain, il a dit le suivant, comme un comptable. Et le comptable typique est un homme d'âge moyen, intelligent, froid, passif, qui ne s'enrage à rien, a des yeux de vedette, est poli, insensible, calme, détestablement immobile comme un pied ou une figure de craie, pétrifié, avec un cœur de feldspath et sans charme comme les microbes, ni à passion ni sens de l'humour, heureusement il ne se reproduit jamais et finit en enfer. Bien. C'est un exemple de comment le monde voit ce qui sont les comptables, ces personnes qui comptent. Mais ici, vous avez un comptable très fameux. Je ne sais pas si quelqu'un à la salle peut reconnaître qui est le peintre qui a peint cette peinture. C'est un peintre catalan. Joan Miró. Joan Miró. Vous pouvez voir ici le livre de comptabilité écrit par l'artiste Joan Miró. C'est un exemple de personnes très fameuses, très connues au monde, qui ont été aussi comptables. On continue, on arrive à 1970, la troisième révolution industrielle, la qualité, la durabilité, les coûts
ABC, target costing, et vous voyez quelques machines aussi comptables. On continue, et pour moi, à mon avis, la quatrième très importante contribution de la France à la comptabilité mondiale, c'est les plans comptables français, approuvés il y a beaucoup de temps. Ces plans, par exemple, c'est la base du premier plan comptable qu'on a en Espagne et dans beaucoup de pays comme le Portugal, l'Italie, quelques pays sud-américains, la Belgique et tout ça. Ce plan a permis l'uniformité et aussi, nous parlons maintenant, quand on a la méthode, on a besoin d'une régulation pour faire la comptabilité. Ça, c'est les plans comptables. Le plan comptable a évolué beaucoup. Ça, c'est information pour le plan comptable en Espagne. Le premier plan comptable que nous avons eu il y a 50 ans avait 90 pages. Maintenant, le dernier plan comptable a 5 ou 6 fois ça, avec beaucoup d'alternatives. Alternatives, ça veut dire que c'est un sujet très important qui est très lié aux fraudes. C'est quand, dans un même événement économique, on peut faire différentes comptabilisations. Quand on peut choisir la comptabilisation, ça veut dire qu'on peut faire une comptabilisation intéressée. Et ça veut dire que les profits peuvent être plus hauts, plus bas, hein, ou ça. Et on arrive, il y a 30 ans, vous voyez ici la comptabilité environnementale, la transparence, la transparence aussi de la responsabilité sociale. Et on arrive à la COVID, l'invasion d'Ukraine, l'inflation. Maintenant, qu'est-ce que nous avons au monde de la comptabilité? La planification avec les scénarios, réinvention continue. Ça veut dire beaucoup de travail pour les comptables. Et aussi, nous avons beaucoup de nouvelles technologies qui ont une importante conséquence pour l'économie et aussi pour la comptabilité, le contrôle et l'audit. Le télétravail, l'automatisation des tâches. Et j'ai parlé qu'un des objectifs de cette conférence, c'est voir qu'est-ce qu'on peut passer. Ici, vous voyez une autre tendance, que c'est la tendance low cost, réduire les coûts. Et vous, ça, c'est une entreprise, je ne sais pas si vous voulez travailler dans cette compagnie, mais c'est une compagnie qui essaye de baisser les coûts. Et il y a beaucoup de nouvelles tendances, comme les objectifs de développement durable. Et tout ça a changé comment est le monde des compagnies et le monde que nous vivons aujourd'hui. Vous pouvez voir, par exemple, la personne de l'année, dans l'année 55, ce n'était pas la personne, c'est les mains, l'homme de l'année. À ce moment-là, c'est le président de General Motors. Vous pouvez voir ici les numéros de travailleurs, les numéros de voitures. Aujourd'hui, avec une cinquième part de travailleurs, ils produisent 6 fois moins de voitures. Mais on peut voir l'évolution du monde économique et social, si nous faisons une comparaison des les personnes qui sont la personne de l'année. Et maintenant, vous pouvez voir que ce n'est pas les mains, l'homme de l'année, mais la personne. Et vous pouvez voir les chiffres de Facebook, très différents. Mais j'ai parlé de la nouvelle tendance, de les objectifs de développement durable. Et la personne de l'année, il y a un an, Elon Musk. Vous pouvez voir l'évolution du monde économique et social avec l'évolution de la personne de l'année. Et quand on parle de l'avenir, du futur pour la comptabilité, je me rappelle de beaucoup de statistiques qui donnent données que je ne suis pas d'accord. Par exemple, cette étude publiée par l'Economist, il dit que les 94% des économistes, des comptables et auditeurs vont disparaître. 94, pas mal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est une recherche il y a 10 ans. Je ne suis pas d'accord et je vais donner quelques données pour voir que ça, ce n'est pas vrai, à mon avis. La première, c'est, vous pouvez voir ici, quelle c'est l'automatisation potentielle dans quelques activités dans le monde des entreprises, office support, il y a une haute probabilité d'automatisation, business and legal professionals, une haute probabilité d'automatisation, manager, haute probabilité. Quand on va dans les domaines de la comptabilité et contrôle finance,
On peut voir, ça c'est une étude de la semaine dernière de McKinsey, a été publiée la semaine dernière. On peut voir que les activités comptables, contrôle, finance, il y a activité, general accounting, la majorité de ces activités peut être automatisée, mais il y a d'autres activités qui ne peuvent pas être automatisées. Je pense que si la personne intéressée dans la comptabilité, contrôle, audit, finance, il se concentre dans ces activités, ils ont beaucoup d'avenir et de futur. Et on peut voir quelques données. Par exemple, on dit que la révolution industrielle détruit beaucoup, millions d'emplois. Mais ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir ici, aux États-Unis, il y a 100 ans, 120 ans, le chômage était 5%. Maintenant, après plusieurs révolutions industrielles, le chômage est moins. Ça veut dire que la révolution industrielle, la technologie, ont fait disparaître quelques emplois, quelques activités, mais la création de nouvelles activités, de nouveaux emplois est plus haute. Ça, c'est ce que je pense. Et une démonstration de ça, c'est le numéro de comptables et auditeurs aux États-Unis dans les dernières 10 années ont augmenté de 20%. Ça, c'est 1 million de personnes ont augmenté. C'est pour ça que la prévision que je pense avec total, on verra ce qui passe, mais je pense que la croissance continuera. Et aussi, il y a une étude que je vais aussi expliquer. C'est une étude publiée la semaine dernière par le Match Institute for Innovation Management qui dit le suivant. L'intelligence artificielle sait mieux que la personne. En faisant un examen, par exemple, d'un master, par exemple, ou en faisant l'innovation. Mais une personne avec intelligence artificielle c'est mieux que l'intelligence artificielle. Et je pense que ça, c'est l'avenir. C'est la personne plus l'intelligence artificielle, ça, c'est mieux que l'intelligence artificielle. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'emplois pour l'avenir. Et une manière différente d'expliquer le même, c'est le suivant. Les comptables ont été perçus comme personnes qui font la comptabilité. Aux États-Unis, il y a quelques années, on disait les peanut counter, la personne qui comptait les peanuts. Ça, c'est ici. Ça, c'est le domaine des comptables pendant plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, le domaine du comptable, contrôleur, audit, c'est ça. Expliquer ce qui passe, utilisant les données, big data, statistique, la statistique, et ça. Et la personne qui conseille à la compagnie, la personne qui aide pour les contrôles, et il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines. Vous pouvez voir ici, ça c'est d'il y a des mois, par exemple, qu'est-ce qu'on demande à un comptable? Senior Specialist Accounting, ça c'est en Singapour. Responsabilité. C'est beaucoup de choses différentes de faire, d'écrire les livres de comptabilité, beaucoup de choses très différentes. Et aussi, quand on veut les profils de cette personne, adaptable, flexible, strong leader, good communication, good decision maker, deadline, client oriented, able to manage risk, ability to establish effective relationships. Vous pouvez voir ici le prof général Naro avec tout ça. Et une chose très importante, qu'est-ce qu'on dit? Parce que je connais dans beaucoup de pays, maintenant, la vocation pour la comptabilité, l'audit, le contrôle ABC. Mais qu'est-ce qu'on dit les personnes qui sont dans cette profession? Finance and accounting workers love their jobs. Ça, c'est il y a 2 semaines. C'est une profession que les personnes aiment. Et ici, vous pouvez voir le prof Irénée Georgescu. Il se paraît un peu avec les chats. Et aussi, c'est un contrôleur qui travaille de sa maison. Et bien, pour finir, conclusion. Il y a quelques siècles, on disait que les comptables avaient quelques compétences humaines, techniques. Je pense que les compétences humaines ont changé. On a
Mais aujourd'hui, beaucoup de compétences on a besoin. Chef d'équipe, communication, bonnes relations. Et aussi la technique, maintenant la calligraphie, ce n'est pas important. La géométrie, ça, ce n'est pas important. Mais on a autre technique qu'on a besoin. Législation, gestion des risques, statistiques, analyse des données, intelligence artificielle. Pourtant, la conclusion, c'est que cette profession a beaucoup de présents et beaucoup, beaucoup de futurs. Merci beaucoup. Bien, cette cérémonie touche à sa fin. Mais merci, chers collègues, pour cette présentation faite avec sérieux et avec beaucoup d'humour. Alors, je n'ai pas vu toutes les photos qui ont été projetées. Je serai preneur donc, d'avoir le support parce que, vous savez, il y a après, derrière le comptable, mais il y a aussi les petites fiches.
Et donc, il y a des éléments ou des points de similitude. Il serait intéressant pour moi d'avoir une petite fiche aussi pour le futur, quand je rencontrerai certains collègues. En tout cas, votre propos était aussi une belle œuvre de pédagogie, donc empreinte d'humanisme et d'humour. Je propose donc que nous poursuivions maintenant par un moment de convivialité. Encore une fois, en vous remerciant pour votre présence, toutes et tous, remercier également les musiciens qui nous accompagnent donc régulièrement. Qui nous accompagnent régulièrement dans sa cérémonie. Remercier également la direction de la communication, la direction des relations internationales, la DSIN, l'équipe administrative également de Montpellier Management. Et donc, je crois que je n'oubliais personne, sinon je me rattraperai pendant le cocktail. Et donc, merci, très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Vous l'avez compris, cette université est maintenant la vôtre. Donc, ce partenariat, que cet échange fructueux avec les collègues de MOMA, mais également l'université en son intégralité, eh bien, se poursuivent, puisque cette cérémonie honoris causa avait également pour objet de mettre un élément de plus, donc, de la visibilité de nos relations institutionnelles. Merci à vous toutes et à vous tous. Très bonne journée. Madame, Sylvie, tu es moi. On va faire. Voilà. Donc, madame, merci à vous, merci pour votre venue avec votre époux. Merci. On va faire une petite photo de groupe. Donc, si vous voulez, avec les parrains, restez avec nous. Et puis après, on fera une photo avec tous ceux qui ont mis la robe. Voilà. Approchez-vous de votre époux. Approchez-vous, mettez-vous mieux avec votre époux. Je demande aux collègues de monter. Alors les collègues en robe, si vous voulez monter. Mon nom est Auriol Amat. Je suis économiste et aussi prof d'économie financière et comptabilité contrôle à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, Catalogne. La relation avec l'Université de Montpellier a commencé il y a quelques années et maintenant on a plusieurs activités, on a cours ensemble et aussi un master international de comptabilité, contrôle et audit. Et aussi il y a beaucoup de relations parce que nous échangeons d'étudiants mais aussi de profs et pourtant c'est une activité très productive. C'est difficile de donner des conseils pour la jeunesse, mais c'est important de découvrir qu'en avant, qu'est-ce qu'on veut faire à la vie, quels types de domaines sont plus intéressants et moins intéressants, et aussi d'avoir quelques rêves et mettre toute l'énergie dans les rêves qu'on a. Et si on met toute l'énergie dans les rêves qu'on a, on fera une activité qui peut changer un peu le monde.